Je vais pas réussir à être très constructif. Ça fait 48 heures que je suis en train de réfléchir à comment je vais vous dire les choses. Je n'accepte pas qu'en tant que garçon, en tant qu'homme, maintenant aujourd'hui, on soit capable de nous regarder dans les yeux et de nous dire qu'on va monter et qu'on a l'envie de le faire. Et qu'on voit les attitudes qu'on peut avoir dimanche et tous les autres matchs. Parce que je me suis retapé tous les matchs depuis 48 heures des 4 dernières semaines là. Tous. Rogny, Houille, Morcourt et le match de ce week-end. La purge, hein. La purge, hein. Vraiment. Hein. Donc vous faites ce que vous voulez de votre fin de saison. Moi, je ne changerai pas mon travail. Je continuerai à être ce que je suis, à faire ce que je fais. Parce que je sais que le travail que je vous apporte, c'est de la qualité. Si vous, vous en voulez pas, il n'y a aucun problème. Finissez la saison comme vous voulez. Moi, je vais jouer avec des mecs qu'on a envie. Et puis l'année prochaine, on fera autre chose et on prendra des gars qu'on a envie. Même moins fort. Je m'en branle. On n'arrête pas de me dire que t'as des joueurs qui n'ont pas le niveau de D3, machin. Vous arrêtez pas de dire que vous devez jouer plus haut. Hein, vous avez le niveau de D4, bande de trous du cul. Je vous dis, vous êtes des trous du cul. Allez, déjà dans le match, les gars, concentrez-vous, s'il vous plaît. Je crois que c'est l'un des matchs les plus importants de cette saison. Non seulement parce qu'il va être très très dur, mais parce que si on perd, les gars, la montée c'est terminé. Je vous le dis tout de suite, c'est terminé. C'est terminé. À vous de montrer à tout le monde aujourd'hui qu'on est encore là. Parce que là, pour beaucoup d'équipes, on est terminé. Hein. Dans le jeu solidaire, on fait les efforts avec les autres. S'il n'y en a que 5 qui font les efforts, ce match on le perd aujourd'hui, je vous le dis. Hein. Les 14 qui sont là aujourd'hui, vous devez tout donner. De la première à la dernière minute, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Pour être honnête avec vous, la fin de saison, ça va juste me montrer quel joueur je peux garder l'année prochaine. Faites taire tous ceux qui pensent que vous êtes terminés, là. Ceux qui croient plus en vous, là. Est-ce que vous, déjà, vous croyez en vous? C'est ça, la question. Est-ce que vous-même, vous croyez en vous, déjà? Moi, je crois en vous. Du début jusqu'à la fin. J'espère que vous avez les mêmes intentions que moi, les gars. Vraiment. Parce que ça me ferait bien chier de sortir de ce terrain et de cette ville avec une défaite, je vous le dis. Tous ensemble. Vous prenez les affaires pour aller vous échauffer et on va sur le terrain tous ensemble. Il faut s'élever les uns les autres, hein. Joue au sol, hein. Joue au sol. Ok ? Joue au sol. Par contre, quand on va être. Le vent sera avec nous. Utilisez-le. Utilisez-le. Ok ? Allez, messieurs. Allez, les gars. Allez, allez. Hey, et c'est dans le mental. Personne ne parle ni avec l'arbitre ni avec les joueurs. Ok ? Si je peux le faire, vous pouvez le faire. Allez, à 3. 1, 2, 3. Comment il s'est assez ? Allez, messieurs, allez. Shems, sois constamment en mouvement. Constamment en mouvement. Sois constamment en mouvement. Ok ? Si t'es KO, tu sortiras, tu rentreras après, c'est pas un problème. Mais sois en mouvement. Propose quelque chose, s'il te plaît. Il faut qu'il bouge. Tu vois, regarde, il est constamment, regarde. Il bouge pas, il bouge pas. Il propose rien. C'est bien joué, par contre. C'est très bien joué, ça. Eh, hey, bien joué, bien joué! Faut aller avec lui, par contre, les gars, il est tout seul! Ah, dommage, dommage! Continue! Bien joué, bien joué. Va. Avec lui, en soutien, avec lui! Viens! Voilà, vous jetez pas, vous jetez pas. Replacez-nous, replacez-nous, voilà. Ouais, on voit, on voit. Faites monter. Ça colle doux, ça colle doux. Par contre, il faut qu'il y ait un relais au milieu à chaque fois. Il l'a plaqué quand même. Sinon, on est obligé de jouer sur le même côté, les gars. Il faut qu'il y ait un relais au milieu pour ressortir. Rapprochez-vous des uns des autres. Je joue. Y'a pas, y'a du coup. Non.
peux y aller, Fauché, il y a l'espace. Ouais, quand même. Essaye de rentrer sur toi. Oui. Encore. Ouais, ça vient, t'as dit. Lâche-la, c'est bon. Comme le 12 là-bas aussi. Le 12 là-bas, là. J'ai pas vu. Il faut aller voir. Bien joué, Serge. Bien joué. Le souci qu'on a, parle-en à Camille et à Dylan, dès que tu peux. En fait, dès que tu touches la balle, ou dès que Nathan touche la balle, il a qu'une solution. Il faut qu'on se rapproche, il faut qu'on soit à proximité du ballon. Ok. Même toi, dès qu'il y a le ballon, il faut que tu sois à côté. Ok. Si t'es fatigué, c'est pas grave, tu sors 10 minutes, tu reviens après. Ok. Blanc. Y'a pas. Essaye. Ah oui? Ah, dommage. Eh ouais, y'a un blanc là, il doit y avoir un blanc. Y'a joué Elvis. Ça vient? Arrive fort! Chance! Je vais essayer. Elle est tombée! Encore? Ouais? Bambou! Fini ça! Oh! Bien joué, Nathan! Après, c'est quoi d'avoir mal? Bien joué, Nathan! C'est ça. C'est un peu long. Vas-y! Il te fait rien! Ouais! Viens! C'est pour toi! Il y a du monde derrière toi. Laisse pas partir. Attends, laisse pas partir. Voilà. Là, ça va derrière toi. Là, c'est bon. Et je pense que je croyais pas. L'accélération. Merci. Je vais couler. Oh, c'est un chien. Si là vous voyez pas ce que je vois, là je vois une équipe. Vous êtes tous en train de vous battre les uns pour les autres. Là je vois une équipe. Là il y a de l'envie, il y a de la combativité. On laisse jouer les gens. Shems, tu dribbles à bon escient. Voilà. C'est ça qu'il faut. Au milieu c'est bon. Derrière c'est bon, c'est propre, c'est sécure. C'est ça. Eh les gars, il nous manque ça. Hein. Il nous manque ça. On l'a eu deux fois avec Nathan et Shems. Par contre les gars. Un petit conseil. Quand vous êtes devant le but, là, à votre position, là, soit tu croises plat du pied, soit tu lui mets une banane au-dessus de la tête. Hein. C'est là où on est encore trop gentil. Parce que les autres, ils sont sans pitié avec nous là-dessus et nous, on est encore beaucoup trop gentil avec ça. C'est quand on arrive devant les buts, ah, on fait des passes quand même. C'est dommage. Mais je vous assure que si on continue sur ça, là, le match, il est pour nous. Hein. Je vous le dis. Hein. Là, il doute. Hein. En plus, en deuxième, il y a le vent avec nous. N'hésitez hein. pas. Hein. Mais continuez comme ça, c'est très bien. Tout le monde fait un super match. Ok ? Maintenant, s'il y en a qui sont fatigués, dites-le maintenant. Il y a des mecs qui sont sur le banc qui vont rentrer. D'accord ? Les mecs qui sont sur le banc qui vont rentrer, je veux la même chose que ce qu'ils sont en train de donner maintenant. Continuez comme ça, hein ? Continuez comme ça, je vous jure, on va l'avoir ce match. On va l'avoir, hein ? Lachaud, merci. Merci encore. Non, merci. Merci, on y va. Oh non. Non, c'est impossible. Allez, à vous de jouer! Viens! Allez, allez, allez! Ça va bon!
Et... Vas-y, reviens. Regarde la balle. Bastien. Merci. On va gagner. Il fait rien. Dylan, c'est complètement con de faire ça, mais c'est complètement con de faire ça. Mais non, mais c'est... Mais Dylan, c'était sûr, frérot. Il siffle pas le premier, déjà. Forcément qu'il va siffler là, putain. Dylan, il siffle pas le premier, il y a penalty tous les jours. Forcément que si tu fais ça, il va siffler. Mais on s'en branle, c'est ton geste. Bien joué les gars, bon match. Bien joué à vous les gars. Honnêtement, messieurs, je pense que vous faites pas un match dégueulasse. Loin de là. Vous avez le droit d'être déçus, je le suis. Mais je pense qu'il nous manque quelque chose. Il nous manque quelque chose pour cette montée en D2 cette année. Et ce truc-là, c'est... Ce qui nous manque, c'est être malin. Comprendre la situation. Comprendre les situations qu'on est en train de vivre sur le terrain. Être malin. Quand on a des occasions, les mettre au fond. C'est ça aussi qui fait que on montera en D2. Parce qu'en D2, je peux vous assurer que les équipes qui sont en D2, ça reste du district, mais c'est encore un autre niveau. Et que les occasions qu'on a, c'est le genre d'occasion qu'on ne peut pas rater. Donc on peut s'en vouloir, parce qu'on franchement, on fait pas un mauvais match. Hein. On fait un bon match. Hein. On fait un bon match, et vous tenez jusqu'au bout. Il y a des erreurs, comme dans tous les matchs. Mais je pense que si on n'avait pas déconné sur les matchs d'avant, eh ben on ne s'en mordrait pas les doigts aujourd'hui. Donc je pense que les grosses erreurs viennent sur les matchs avant, les matchs précédents. Celui-là, j'ai vu une autre équipe. Déjà, ça m'a fait plaisir. J'ai vu une équipe solidaire, j'ai vu une équipe qui avait envie de jouer. Mais il nous manquait un truc pour la victoire. Eux, ils ont eu un peu plus la dalle au moment opportun. Nous, un peu moins. Tout n'est pas terminé, loin de là. Ça fait 3-4 ans qu'on monte. Si on stagne une année, c'est pas si grave que ça. Faut pas se tirer une balle, hein. Vous inquiétez pas. L'année n'est pas finie par contre. Donc ne baissez pas les bras, que ce soit pour la B ou pour la A.
Ok. Tiens, viens, je vais te présenter. Baka, viens avec moi, s'il te plaît. Rappelle-moi ton prénom, s'il te plaît. Sad. Je vous présente Sad. Un gardien, c'est un ami de Chris. Il est pas là, Chris ? Il est encore dans le vestiaire. Du coup, il vient faire des essais avec nous. Peut-être qu'on rejoint l'année prochaine si ça se passe bien. Baka, cousin de Djibril, c'est ça ? Aussi gardien. Parce qu'on a besoin de gardiens, parce que du coup, on a que Yanis aux entraînements, parce qu'Arman a décidé de rester en vacances. Donc voilà. Donc il sera là pour que vous puissiez faire des entraînements corrects. Ok ? À vous de les accueillir correctement, s'il vous plaît. Je vais vous expliquer l'entraînement de ce soir. Il va y avoir trois ateliers. Un atelier tennis-ballon, un atelier montante-descendante sur petit terrain avec les petits buts et des stop-balls. Un atelier avec Rachid, conservation de balle ou passe à 10. Ok, on va tourner. Et après, si on a le terrain, s'il décide de se barrer, on finit sur un match sur grand but. Ok. T'aurais peut-être jet lagué, toi. Ah, puis, ouais, c'est bien. Et tu sais qu'apparemment, quand je les insulte trop vite dans le vestiaire, ça fait le tour de TikTok. Ouais. Et apparemment, les gens sur les commentaires, ils disent que j'ai raison. Bah oui, mec. Raph, il m'a dit, il y a un mec, il a dit, ils sont choqués pour le trou du cul, alors que moi, mon coach, dès qu'on n'est pas content, il va faire un tête avec nous. Bah oui, mais mec, on est trop gentils, mec. Hein. Alors, je débriefe le match du dimanche. Dimanche, on a joué contre Sartrouville. Bonne équipe. Bonne équipe. Bonne équipe qui avait... nous, on a eu une réaction. On attendait une réaction de notre équipe parce que les derniers matchs n'ont pas été très bons, voire pas bons du tout. Moi, j'attendais beaucoup de ce match-là. Pas forcément un résultat, même si on aime les résultats, mais j'attendais surtout un retournement de situation au niveau psychologique, au niveau de l'envie, de la solidarité entre eux, de... Enfin, une équipe, quoi. Et du coup, bah, j'ai plutôt retrouvé ça. J'étais plutôt content. Malgré le résultat où on perd encore, mais je dois avouer que j'étais plutôt content parce qu'il y a eu une réaction. Après, on fait beaucoup d'erreurs, mais ça, c'est manque d'entraînement. Les mecs viennent pas à l'entraînement. Ils pensent qu'ils peuvent gagner des matchs sans s'entraîner. Donc forcément, ça, c'est compliqué. Même si mathématiquement, ça va être très, 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 très difficile de gagner, je pense qu'il ne faut pas baisser les bras parce qu'on peut déjà commencer à préparer la saison prochaine. Au moins à s'investir et voir justement quel joueur tu peux garder dans ton équipe, quel joueur est investi, quel joueur tu peux garder pour espérer de monter l'année prochaine ou faire quelque chose d'intéressant. Et après, faire aussi descendre des joueurs parce que la B, ils ont la montée à jouer et ils ont la finale de Coupe du Comité contre les Mureaux, donc très intéressant. Après, le but, c'est pas d'enlever tous les joueurs de la B parce que c'est eux qui méritent aussi d'aller jusqu'au bout, mais... Mais voilà, faire en sorte que les joueurs ils ont envie de jouer jusqu'à la fin de l'année et qu'ils restent investis et solidaires. Parce qu'il y a des joueurs qui vont partir et des joueurs qui vont rester, et d'autres qui vont arriver, ça c'est clair. Donc je sais pas, faut que j'en parle avec Romain pour voir ce qu'on va faire. Mais c'est clair que je mettrai les mecs les plus motivés sur le terrain, ça c'est sûr et certain. I'ma keep winning, winning. I'ma keep winning, winning.